travailler avec M. Julien Fada, le deuxième bâtiment aussi. Il va dire quelques mots par rapport à sa manière de penser. Alors, nous sommes au SIA, Salon international de l'agriculture, qui est un salon couru du monde entier. Beaucoup de nationalités, beaucoup de continents, beaucoup de pays représentés. Et c'est toujours une occasion pour la Sonacos de venir pour faire la promotion de ses produits. Nous avons des graines coques, des graines décortiquées, mais aussi des tourteaux d'arachide, de l'huile brute, de l'huile raffinée et aussi de l'aliment de bétail, du vinaigre et du javel. Voilà un peu la gamme de produits que nous présentons au Salon international de l'agriculture en tant que principale usine agroalimentaire du Sénégal. D'accord. Vous êtes André Soutamba TV. Et quels sont les projets en cours de la Sonacos dans la région Sénégal oriental, particulièrement dans la région de Tambacounda? Alors, comme vous le savez, la région de Tambacounda devient de plus en plus une zone importante de production d'arachide, mais surtout dans le département de Koumpentoum et dans beaucoup d'autres entités rurales que nous avons au niveau de la région de Tambacounda. Et depuis 3 ans, nous avons des SECO qui sont ouverts pour collecter la production des paysans dans différentes zones de la région de Tambacounda. Nous avons installé un centre de réception intermédiaire à Idemourit. C'est vrai, c'est dans le département de Kougal, mais c'est à la limite du département de Tambacounda. Et l'année dernière, nous étions même à l'intérieur de la ville de Tambacounda, où pendant 2 années, nous avons collecté des graines. Donc de plus en plus, nous nous installons durablement dans la région de Tambacounda, parce que la nouvelle stratégie de la Sonacos, c'est de nous rapprocher des zones de production pour mieux être en contact avec les producteurs, mais aussi pour désengorger les zones de réception comme Kaolack, où tous les camions qui venaient de la région de Tamba étaient destinés. Donc je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, la région de Tamba, comme la région de Kolda, est en train de prendre son autonomie par rapport à la région de Kaolack, parce que nous sentons que le bassin arachidier est en train de pousser, d'aller vers la région de Tamba et vers la région de Kolda. Alors, Tambacounda dafa nek deuk bu nga xamné Sonacos depuis ñetti at mu ngi fay am taxaway. D'abord, si bir Tambacounda ñaari at ñu wess yépp doon nañ jënd fofu gerté, camion di ñëw ba fofu ñu koy jënd bir Tamba. Alors, biñu gisé né région Tamba muy département Koumpentoum, département Tamba ay deuk lañ ñu nga xamné, ay gox lañ ñu nga xamné ñu fay bay gerté bu bari bari. Dañu jël suñu responsabilité, né dañuy jégué fiñuy bayé gerté, dañuy jégué opérateur yi, dañuy jégué producteur yi. Motax jamono ji ñu wax ak yeen, amnañ ben centre de réception intermédiaire mu ngi Idemourit ci département Koungheul, wanté ci limitam ak département Koumpentoum. Amna ben centre de réception intermédiaire bu nek ci Thioumalem ñëndum gerté mi ren centre bu nek danaka amnañ fa ëpp 1500 tonnes jënd nañ ko fi ci gerté, té tambali la, tambali la. Donc bu wax le rek né politique Sonacos, vision Sonacos moy gëna samp ci région Tambacounda ak région Kolda. Té dañoo tambalé par ay centre de réception, mais suñu démé ba dëgër dañ fay mëna andi ay machine di mëna décortiquer gerté gi. Buñ démé ba mu gëna dëgër aussi, ñoon fi ay machine pour di mëna défar dëwlin qui est département Tambacounda. Donc je crois que salon B, vous venez, il faut voir parce que il n'y a plus de d'aller. Il n'y a plus de d'aller, ou à Afrique, ou à Asie, ou à Europe. Il n'y a plus
nous salon bi té ay contact lañ fi jëlé ay partenariat lañ fi jëlé motax ñëw nañ andalé suñu gam yépp moy li ñuy wax gerté hot gerté kemb ñëw andalé aussi huile brute huile raffinée rakal wala tourto ñëw andalé vinaigre eau de javel ak aliment de bétail en fait lepp lu ko xamné sonako da koy liggéey rek andi lañ ci ay échantillon pour mën ko présenter.